Добро пожаловать в мой канал. À peine une tempête partie que voilà la seconde lame. Carmen cesse d'essouffler ce mardi mais Eleanor arrive. Météo France a placé ce mardi 21 départements en alerte orange pour vent violent Aisne, Calvados, Eure, Eure-et-Loire, Finistère et Loiret, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Paris et Petite Couronne 929394, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne et Val-d'Oise, d'une intensité comparable à sa grande sœur. Eleanor va se manifester par de fortes rafales qui devraient toucher le tiers nord de la France, des pays de la Loire jusqu'au nord-est, avec des vents atteignant jusqu'à 130 km/h sur le littoral et 100 km/h dans les terres. Carmen est partie et la tempête Carmen a elle quitté la France, où plus aucun département n'est en vigilance orange, après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral aquitain et la Corse avec des rafales à plus de 130 km/h, privant d'électricité encore 11 000 foyers ce mardi matin. La vigilance orange, vent, a été levée sur la Haute-Corse et la Corse du Sud, les deux derniers départements où elle était encore en vigueur, a indiqué mardi matin Météo France dans son bulletin. Les vents ont fait un mort, un homme d'une soixantaine d'années tué dimanche par la chute d'un arbre sur sa voiture près de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité, et 11 000 l'étaient encore pour toute la nuit de lundi à mardi, dont 4 600 en Bretagne et 5 000 en Aquitaine, selon Enedis qui a précisé dans la soirée de lundi que 1 500 agents et entreprises prestataires étaient mobilisés. En Vendée, une éolienne de 62 mètres de haut s'est effondrée à Boin, sectionnée à la base. Le ministère de l'Intérieur a annoncé dans la soirée que Carmen avait engendré l'intervention des pompiers à 1 150 reprises.